Alors, quand est-ce que ça va marcher? Ah, voilà, c'est bon. Attends, je dois faire quelques tests, hein. Quelques tests pour entraîner la voix. Je vais couper le micro, mais pas celui de la vidéo. Du coup, ça sera un petit bonus, hein, à ceux qui vont regarder. Exactement. Bonjour les amis, c'est moi, Patate. Vous voulez voir la nouvelle pyramide? On est déjà dans le monde des ténèbres. Voilà, c'est bon. Bah ouais, je me disais aussi. Non, je n'ai pas honte. Comment ça? Je sais pas, j'avais juste envie. Ouais. Eh ben. Voilà, je vais couper l'épisode pour être sûr d'avoir la séquence. Attends. Voilà, ça filme. Voilà, ça filme. Ah oui, d'ailleurs, petite anecdote. Quitte, fais sauvegarder et quitter. Fais sauvegarder et quitter. Est-ce Ça va? que tu vois la Triforce? Appuie sur. Tu vois la Triforce? L'écran de titre. Eh ben, ne. Attends. Oh. Attends, on va falloir le faire en même temps parce que. Disons qu'il y a un petit truc. Retourne sur la partie, désolé. Non, il va falloir le faire. Ah, retourne sur ta partie. Ouais. 3. 2. 1. Maintenant. Voilà. Alors, on ne touche à rien. Parce qu'on a raté ça au début du let's play, c'est vraiment dommage. Et voilà, c'est légende, Frutabaga, patate to the past. On attend, on touche pas. Parce qu'on a raté cette scène. Regarde. Cherchèrent par les armes à pénétrer sur cette terre secrète. Trois petits points. Personne ne revint jamais. Un jour, un pouvoir diabolique s'exhala de la terre d'or. Ouais. Aussi, le roi ouvre la porte. Oh. Désolé. Désolé, je vais devoir redoubler parce que. Trois petits points. Ce sceau est dû demeurer à jamais. La suite, s'il vous plaît. Mais quand ces événements, occultés par les brumes du temps, devinrent légende. Trois petits points. Ce sceau est dû demeurer à jamais. La suite, s'il vous plaît. Mais quand ces événements. Occultés par les brumes du temps devinrent légendes. Allô? Oh bah non, c'est trop triste là. Désolé, mais là j'ai eu un lag d'une minute parce que là je suis à peine à la scène. Mais c'est pour ça que je rigole.
Avec... Oh punaise, le roi il a vieilli, mais c'est horrible. Un mystérieux sorcier nommé Agaïm vint à Hyrule pour enlever le sceau. Il supprima le bon roi d'Hyrule. Non! Pas le pourra plus roi. jamais dîner. Il a jamais pu dîner. Grâce à la magie, il se mit à faire disparaître un par un les descendants des sept sages. En fait, sur le sprite, on croit que c'est un monsieur, mais en fait, c'est un crapaud avec une couronne dessus. Non, je n'ai aucun mérite. Et non, c'est pas un monsieur aux cheveux verts, en fait. Mais c'est vrai, si tu regardes les concept art, c'est exactement ça. Et ben voilà, c'est l'HTP. Et l'accomplissement du destin de la princesse Zelda se fait proche. Et le doublage que j'ai fait s'est fait au milieu de la phrase. C'est vraiment magnifique! Et voilà, si on touche à nouveau à rien, on a encore la scène. Mais on va éviter. Voilà, on est de retour sur la partie. Et du coup, on va utiliser. On va descendre tout d'abord de la pyramide. Attends, on va d'abord chercher le quart de cœur quand même. À côté du lac. Quoi? Oui. Ok. Alors peut-être en... Alors, je sais pas où, je sais pas par où passer. Peut-être en passant par le haut avec le grappin. C'est possible. Suis en train de réfléchir là. Punaise. Ce qui est bien, c'est qu'en plus le grappin, ça paralyse. Ça paralyse comme l'arc en fait. Ah, je crois que j'ai peut-être trouvé un endroit. Ici. Oui, c'est bon, j'ai trouvé un endroit pour passer. Oui, mais j'ai réussi à trouver un endroit pour passer de l'autre côté. Et donc, aller vers la... Par le cimetière. J'ai pris les crânes. Comme ça. Oui, exactement, les crânes. T'as tout compris. Et là, je cours. Tu cours, tout simplement. Ah, voilà, c'est bon, je suis. Allez, vite. Ah mince, c'est par le... Ouais. C'est Punaise. bon, moi, je suis dans la forêt. Moi aussi. Comment t'as fait pour aller aussi vite? J'ai utilisé le fast forward. Il y a des trous. Peut-être que ça mène des passages secrets. En tout cas, c'est bon, je crois que j'ai trouvé l'entrée du temple. Ouais. Je crois que c'est un grand... Ah non, ah si. C'est un temple. C'est un grand crâne, le début du temple. En tout cas, c'est bon, j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Voilà. Il Non, sauve. faut que je fasse tous les ennemis. Faut Pourquoi moi? utiliser la sauvegarde rapide. C'est bon, j'ai la carte. Ah, elle est là, la main! Punaise! Je vais pas aimer ce donjon, moi. Par contre, là, je sais pas comment faire. Elles font plus peur, non? Ouais. Ah,
Ok. Alors les trous ils En font fait, je suis mal. Dans le donjon, pas la dans un trou. trou. Je suis tombée dans un trou dans la forêt. Ah, punaise, ça veut dire que les trous dans la forêt font partie du donjon. Bah oui. Mais oui, en plus, c'est vrai quoi. Ouais. Ouais. En plus, c'est vraiment celle que t'as dans l'autre jeu, quoi. C'est pas une autre. Ouais. Masterhead. T'aimes quand ça fait peur, toi. Ah oui, petite anecdote, tu peux tuer les mains aussi. Tu peux tuer les mains aussi. Non, c'était au cas où parce que... Voilà. Ah, d'accord, punaise, je viens de comprendre ce que font les mains en fait. Ah, j'ai une petite clé. C'est bon, j'ai la carte. T'inquiète pas, la carte aussi, la première petite clé. Maintenant, il va falloir que je sorte de cette salle maudite. Ah oui, effectivement, ce n'est pas un autre chemin. Bon bah, il va falloir sortir. Le miroir magique va beaucoup servir, pour info. Pour, tu sais, pour aller à la sortie plus rapidement. Ça va beaucoup, beaucoup servir. Ah, cool. Quoi? Ah, d'accord. Non. Non. C'est n'importe quoi, comme d'habitude. Oui, c'est la sortie. Ouais. Moi, je suis allé dans encore une autre entrée pour aller plus vite. Enfin, pour continuer dans le donjon. Ah oui, pour retourner plus rapidement à l'entrée, tu utilises le miroir magique. Ça te permettra d'aller beaucoup plus vite. Ah non, ça sera déjà montage, hein. Eh ben. Eh ben. La boule magique. Eh ben. Eh ben. Va falloir que je trouve. Va falloir trouver le où là. Exactement. Ah, j'ai trouvé la boussole. Quoi? C'est la rage. Allez, vite. Faut trouver la fin de ce donjon. Ah, j'ai trouvé encore l'autre. Ah, j'ai trouvé un moyen de vaincre les ennemis sans déclencher le combat. Allez, presque. Voilà, c'est bon. Une petite clé supplémentaire. C'est bon. Ouais, moi j'en fais souvent aussi. Mais c'est compliqué, mais c'est bon. Allez. Punaise, il va falloir bien explorer la forêt là. Ça va être magnifique. Allez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah oui, c'est vrai, ça fait ça, j'avais oublié de le dire. Ah, bon bah j'ai retourné une salle avec un Master Hand encore. Ouais, je sais, c'est aussi dans Kirby. Bonjour, je suis en train de tourner. Donc,
Ah, j'ai trouvé un autre moyen de me suicider. Je sais pas. Ça pique un peu. Allez hop. Allez. Ah, ça commence à avancer. J'ai trouvé plein. Ah oui, quand même. Bon bah j'ai trouvé un magnifique scarabée géant. Il est très très beau. Ça pique un peu les yeux, j'avoue. Ce qui est marrant, c'est que pour la main, tu as le bruit de... du fait qu'elle tombe avant qu'elle tombe, tu vois. Oui, comme ça prévient en fait. C'est bien. Bah, dans Carry of Time, t'as juste les ombres. Hein. Ouais, les ombres. Du coup, faut bien trouver un moyen. Oh, ah. Un coup de tête dans la tête du squelette, c'est mort. Punaise. Allez. Ah, j'ai trouvé un autre endroit de salle différent. Bon ben, RIP la Master Hand. RIP. On s'aimait bien. Ouais. Bon, alors ça c'est par ici. Ok. Je suis de retour à la salle où j'étais tout à l'heure. Ah voilà, c'est bon. Ok. Oula, 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 gang bang. Punaise. T'as pas de chance. Ah, t'as chopé la main. Et elle, ça fait quoi quand elle te mange la main? Ah bah c'est encore mieux que le miroir magique. Enfin pas vraiment du début dans laquelle tu as attiré en premier en fait. D'accord. J'ai une fée. Tu t'en fiches. Attends, elle fait mal la main aussi? Non, elle fait pas, c'est juste que j'aime. Ok. Là j'ai une salle avec plein de méchants. Là je suis en train d'utiliser le ketchup pour les abattre. Voilà, ça marche tout seul. Ça avance, et c'est bon. Je crois qu'on va mettre pas faire ce temple. Parce que... Ouais, mais déjà ça ira moins de temps que le premier temple obscur, si je peux l'appeler comme ça. Ouais, c'est pas vraiment un temple obscur. À l'arnaque, ok. Allez hop. Non, rien, c'est juste. Voilà, je vais abattre un peu la main. En fait, c'est juste qu'il y a un petit interrupteur dans une des salles. Et je dois me mettre un peu bizarrement pour y accéder. Voilà. Ah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé une porte. Aïe, ça pique. En tout cas, il y a plein de Riden. Ah, j'ai la grande clé. Dans une salle. Juste dans une salle. Oh, j'ai trouvé un truc de tes portes. Je suis un lapin. Tu es quoi? Ah. Je suis un lapin, trop bien. Oh mais non. Oh, je donne un coup, j'ai été délapinisé, c'est triste. Voilà, je veux devenir lapin. Voilà. Punaise, il m'a frappé avant le méchant en plus. Voilà, je veux devenir lapin, vas-y, transforme-moi. Voilà, paf, aïe. Mais c'est triste, je veux devenir lapin. Voilà. J'ai utilisé le miroir magique. Oui, je suis toujours lapin. Par contre, ça dure pas en fait. C'est dommage. Alors la petite clé, elle va ici. Ah, j'ai trouvé une nouvelle salle. On va voir qui arrive à speedrunner le temple cette fois. Ça va pas être long. Ok, je vais rester au centre.
Je vais rester au centre. Ah, deux fois. Est-ce que... En fait, t'avais fait le plein de fées avant? Non. Ah bah ça y est. Ça va passer. Est-ce que t'as fait le plein de fées avant de venir? Non. Bon bah on sait ce qu'on devra faire lors du prochain épisode. Lors du prochain épisode, on va farmer. Ok, j'ai trouvé une salle qui ne sert apparemment à rien. Ah, peut-être en soulevant tous les crânes. Ah, toi aussi tu vas dans la salle des crânes. Avec des plaques qui tombent. Ah, non. En plus, la main elle m'a attrapé. Ok, cette salle ne sert à rien. Je l'ai ouverte pour rien. Passage une... Oh, oh, au passage, j'ai eu une bombe en petit bonus. Hein. Toujours bon pour la santé. Par contre, je sais pas que. Ah, il y a un levier. Donc j'ai intérêt à me tenir prêt. Ok. Alors, cette salle. Ah oui, cette salle, mince. J'aurais ici en fait. Oh, 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 dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Le... En plus, il vient de me dire, c'est fermé, c'est la grande clé. Moi, comment t'as fait pour y accéder? J'ai fait accès au grand coffre. Bon, attends, quand j'ai fait, je suis allé dans la salle sur le côté, sur une table, puis la salle là. Ouais. Et ben en fait, tout ce que t'as à faire, c'est. Ah, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. C'est les grappins, ça... J'ai trouvé une salle avec plein de crânes dedans. Vers la droite. Mais je suis vers la droite. À quel étage? Mais y a pas d'étage. Si, y a un moins 1 et un moins 2. Bah y'a rien au moins 2, tu sais. Franchement, vers en haut à gauche. En haut à gauche. J'ai pas d'autre indication. En haut à gauche? Ouais. Putain, mais j'y suis allé, en fait. Mais en haut à gauche, la forêt, quoi. Non, punaise, non. L'arnaque. Oui. En haut à gauche de la forêt, t'as un trou, quoi. Ouais, dans un trou. Ou dans un ou dans une porte de crâne. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut explorer. Voilà. Allez. Ce que je sais, c'est que bien faut avoir une horreur, c'est possible. Punaise. J'espère qu'on va trouver une salle où fermer les fées quand même. Ouais, ça pourrait bien. Ok, c'est pas par là. J'ai des momies partout. Des méchantes momies. Alors, des fois, c'est bien d'aller chercher l'ennemi, ça permet de tuer plus vite. C'est bien de quoi? Des fois, c'est bien d'aller chercher l'ennemi. Ça permet de le tuer plus vite. Eh ben. What? Mais d'où tu me fous un gangbang comme ça, là? Oui, parce que dans ce monde-là, les ennemis font un peu plus mal. C'est un peu comme dans Between Worlds. Ouais, il y a une sortie ici, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? T'as assisté à une scène, mais juste hilarante, quoi. Comment ça? Ah, oh, bah d'accord, j'ai la main aussi, pas pris. Elle est venue sur elle. Eh ben. Pas de chance. Allez. Oui, vous allez mourir tout de suite, voilà. Voilà, c'est bon, un ennemi dans le vide. Ah, mais c'est en train de me courser. Punaise. La malchance. Ah, c'est bon, il y en a un avec un crâne.
Oh punaise. Ah c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je suis de retour dans ma fameuse salle. En fait, je fais tourner le truc en bruit. Eh ben. Ah, ça y est, il est enfin mort. Moi, je suppose que ça veut dire que. Enfin, je suppose aussi. Je tue la main parce qu'elle m'énerve. Voilà, ça c'est bon. Hop, ça c'est bon. Je crois que j'ai enfin trouvé. Oui, j'ai trouvé le truc. C'est bon, je suis à la salle de ton fameux levier. Ça y est, bah tu tires le levier, tout est bon. Voilà. Tu pensais pas m'avoir comme ça, toi, hein? Pardon, par contre, j'ai oublié de ne pas casser le crâne pour faire demi-tour, mais bon. Allez, hop. Et hop, voilà, c'est bon. Allez, je tire sur le levier. Yep. Ah c'est bon. Avec les mini hamburgers, c'est bon, j'ai trouvé l'ennemi. Alors, la baguette de feu. Ah bah oui, forcément. On a vu la baguette de glace, maintenant la baguette de feu. Ouais, mais à quoi elle va servir lors de ce donjon? Je sais pas, peut-être abattre le boss. Ah oh, c'est pas ça que je voulais faire. Eh ben. Comment on va faire pour passer? Ça peut pas. Ça aide pas beaucoup, hein. Ah bah ça passe, c'est bon, j'ai trouvé un moyen de passer. Oh, je suis chaud. Au sens propre du terme. Bon, évidemment, mon ligne qui est pas très précis. Tiron. J'ai un potiron. J'ai trouvé un potiron. Baguette de feu, je t'utilise. Non mais. Elle fait quoi la baguette de feu en fait? Non. Ok, en fait elle envoie une boule de feu mais pas. Hein? Quoi? En fait la baguette de feu elle envoie une boule de feu mais pas comme dans sur 3DS en fait. Ah. Oui, on sait spoil la géo, on sait pas spoil les pouvoirs. Hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Voilà. Ça continue. Allez. Mais non, j'ai plus de ok. Ok. Peut-être en passant en dessous du pont, si ça veut bien. Mais non, mais ça fait tout qu'elle va trembler. Eh ben. Apparemment, il y a un moyen de passer par là. Tu vas voir, je vais te faire un rage quitte. Eh ben. Évidemment, si j'utilise le marteau, ça va pas bien marcher. Quoi? Bah, en fait, là pour l'instant, je suis dans un crâne géant. Ok, on peut pas le tirer, ça. Peut-être en le tirant par là. En tirant par là, peut-être en poussant. Ouais. Eh ben. Ça me détend d'aller sur l'océan. Ok. Allez. Y a rien par là. Rien par là non plus. Mais faut aller où? À tes souhaits. Ok. Alors, peut-être en passant. Ouais, je vais essayer de passer par le village. Mais non, mais il est bête. T'as déjà la baguette. Non. Village. Qui est en dessous, juste en dessous de la forêt. Maintenant, on peut y accéder normalement. Ah. Oui, au cas où on peut toujours trouver des trucs intéressants à acheter. Faire les boutiques avant Noël, quoi.
Peut-être en brûlant les crânes. Faut tester. Hop. Ce crâne là il fait rien. Ce crâne là il fait rien. Et ce crâne là il fait rien. Ok. En tout cas, j'aurais testé. Faut pas mettre le feu au crâne, ça sert à rien. Cette sorte, on l'a dit. Ah, il y a une voix. Alors. Ah, il y a un voleur ici aussi, purée. Purée, il est méchant. Eh ben. Ah, j'ai une onde vide et un truc dans les coffres peut-être. 300 rubis, ok, au revoir. Ça va servir à rien. Mais non, mais c'est... Je sens que ce village ne va servir à rien. Je sens que je vais rager. Ah, bah ça, c'est facile de te faire rager. C'est génial! Ma télécommande m'a encore fait des misères. La main ne veut pas me troller. Ah bah ça va. Allez hop. Punaise. Elle est vraiment dangereuse cette main. Vas-y, pousse Link. Et maintenant tu tires. Voilà. Attends, t'es où là, actuellement? Moi? Ouais. Je suis dans la salle de tir. Dans le quoi? Dans la salle de tir. Attends, elle est où la salle de tir déjà? En bas du village. Là où il y a le mec qui est coincé dans la rochée. Pourquoi tu fais ça? On fait pas le temple? Attends, tu peux aller voir sur internet, s'il te plaît. Le problème, c'est que j'ai pas mon ordinateur là dans ma chambre. Mince. C'est un problème. Notable. Bon, bah d'accord, je suis coincé dans les trucs. Punaise. Dis-toi, s'il te plaît. 1, 2, 3, voilà, c'est bon. 3 coups d'épée. Je refais mes labyrinthes. Et j'y vais. Voilà. Ah, là, j'ai vu. Là, il y avait une fissure que j'avais pas vue avant. Ah, un pot. Qui ne sert strictement à rien. Je suis déçu. C'est tellement pas juste. Peut-être en passant à gauche. Encore à gauche. Dans cette salle, il n'y a rien. Autrement, il n'y a plus rien. C'est bizarre. Ouais, je peux proposer d'arrêter l'épisode là, non? Je pense, ouais. Ouais. Allez. Exactement. Ah, bonjour les amis. Ah, bonjour. Ah, bonjour. C'est vrai. Allez, genre, on va se concentrer un petit peu. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Mais c'est dur, c'est trop dur. Le petit mouchage hein, pour permettre la concentration. Ah, bonjour les amis. Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé le truc. Alors, je retourne sur l'épisode et...